La dame de pierre, elle m'a immédiatement subjuguée parce que c'est un regard. Elle a presque quelque chose d'un hypnotiseur en fait. Elle est très très éveillée, elle vous perce. Et c'est vrai que moi, la première fois que je l'ai vue, elle m'a même un peu intimidée. Alors c'est drôle parce que justement, le modèle, c'est pas du tout celui que je croyais. Au départ, je pensais qu'Alexandra s'était inspirée de Björk. Moi, je sais pas, j'ai trouvé un petit côté Björk. C'est une artiste d'ailleurs que j'aime beaucoup, qui est pleine de féerie elle aussi. Et c'est vrai que la Dame de Pierre, à chaque fois, elle m'a inspiré un côté très féerique, presque une conscience divine en fait. C'est-à-dire que son regard, on a l'impression qu'elle voit tout, qu'elle sait tout, tout le temps. Elle a l'air très sûre d'elle. Elle pourrait peut-être être un juge, je sais pas. Elle a quelque chose comme ça de mystérieux et à la fois très clair. Donc la Dame de Pierre, c'est pareil, c'est un petit peu le même principe que pour la Belle Endormie, c'est-à-dire que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup rendre les statues vivantes. Là encore, j'ai trouvé une photo de stock d'une rosace en pierre avec un visage fermé. Le visage était complètement différent. J'ai trouvé magnifique. Une fois que j'ai eu travaillé mes textures, mes couleurs, j'ai ajouté mes fleurs, mes petits effets, je me suis mis en quête d'un visage et j'ai pris le visage de Maria Amanda, qui nous a servi pour Alconost et qu'on n'imaginerait pas du tout. Mais c'était elle en effet, c'est également Maria Amanda. Mais évidemment avec beaucoup beaucoup de travail. Et comme il n'y a pas sa longue chevelure blonde, c'est vrai qu'on la... On devine pas que c'est elle forcément au premier abord. Et voilà, bon, j'ai trouvé magnifique. Je me suis dit, elle va vraiment bien fonctionner pour le personnage de la Dame de Pierre. Pareil, là encore, je ne peux pas vraiment expliquer d'où m'est venu le personnage de la Dame de Pierre. Mais je sais que il trouve sa place dans le cabinet d'emblée.